Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Tribardou. Cette journée inaugure tout un tas d'initiatives que nous allons tenir tout au long de l'été. Bien sûr, les centres de vacances, les colonies, mais aussi la Courneuf-Plage que nous inaugurerons du 13 juillet au 15 août de façon à ce que vous puissiez profiter de ces moments de détente aussi sur la Courneuf. Ça fait longtemps que je viens, ça doit faire au moins 5 ans que je suis. On vient à répétition en famille. On aime bien, j'aime bien l'ambiance qu'il y a ici, donc on vient souvent. Un petit dimanche, hors des tours, des bâtiments, voilà, ça fait respirer, ça fait bon vivre. Le droit aux vacances, c'est le droit à passer une journée dans la nature, c'est le droit à écouter de la musique, etc. C'est-à-dire, c'est un moment où la ville de la Courneuve, moi j'ai appelé ça la grande transhumance de la ville de la Courneuve vers la campagne, et c'est un droit qui est assez spécifique à la Courneuve. Moi je connais peu de villes où comme ça, à un moment, la population s'en va avec des cars tous ensemble, et je trouve que c'est une très belle initiative. Nous sommes à Tribardou, il faut regarder le soleil. Tous ceux qui ne sont pas venus à la Courneuve, vous allez le regretter, mais grave de chez grave. Moi, je vous le dis, vous avez raté une super belle journée. Un tout petit peu de pluie. J'ai fait un super beau porte-monnaie recyclable. Voilà, c'est super, 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 super. C'est en fait la convivialité qu'il y a ici. C'est le fait de retrouver les gens qu'on ne voyait pas, de revoir des vieilles connaissances, et surtout pour les enfants. Et l'ambiance, il y a franchement pas mal d'ambiance. Regardez, il y a plein d'activités, surtout pour la petite, pour ma fille. Franchement, une journée, voilà. Ils n'ont pas l'occasion d'en faire tous les jours. Enfin, on sait qu'on a le parc de la Courneuve, mais même c'est assez difficile d'en faire, alors que là, regardez, ils s'amusent vraiment bien. Donc, je pense que vous pouvez voir sur tous les visages que des sourires. Donc, franchement, c'est un dépaysement pour eux. Ça change de la couronne de la ville de la Courneuve, en fait. Alors, on voit les arbres et tout, on s'amuse, c'est magnifique. Les enfants sont contents, donc on est obligé de revenir pour qu'ils s'amusent très bien. Bah, j'ai passé juste une heure, mais c'est super. Hein. Ça a l'air génial. On a joué les jeux, on a regardé le spectacle, on a pique-niqué aussi. Donc ça va, on veut essayer tout. C'était trop bien. T'as fait quoi alors? Raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait? Alors, j'ai joué au foot avec un copain. On a regardé un spectacle. J'aime bien ce genre de manifestation, c'est pour ça aussi que j'y participe, hein, parce que ça permet de sortir un peu le nez de son quotidien et de se dire qu'il y a autre chose que la Courneuve dans la vie. Quoi. Moi je trouve que c'est très très bien et puis je remercie beaucoup Monsieur le maire qui nous organise chaque année cette fête-là, on est très contents. Tellement de l'aime bien quoi. Voilà, on est vachement contents et ça fait longtemps qu'on J'espère est que ça va continuer. Et on est sûr que ça va continuer. Moi je trouve chaque année c'est magnifique de rassembler les habitants. C'est une
façon de se retrouver, de partager, de passer une bonne journée. Ici, c'est notre fête de quartier, tout simplement. Et elle se fait en plein air, elle se fait à la campagne, ici à Tribardou. Il y a une super organisation qui est faite, puisqu'on propose même aux personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion de les prendre en car. Donc je peux penser que du bien d'une initiative comme celle-là. Une multitude d'activités qui ont été proposées tout au long de cet après-midi dans le parc. On a commencé sous la pluie, comme tu peux le remarquer, on finit avec le soleil. Moi, j'aime beaucoup, je viens tous les ans parce que j'aime beaucoup cette initiative qui est organisée par la ville de La Courneuve, parce que les notions de partage, de respect, de vivre ensemble, eh bien, prennent tout leur sens ici sur le château de Tribardou en ce dimanche 23 juin 2013. Oh,